Le message qu'on veut traduire, c'est d'amener les victimes elles-mêmes à prendre la parole. Vous savez, les enfants, tous les cas que nous couvrons généralement, je ne dis pas à 100%, mais à 80%, les enfants sont des victimes. Les cas de violence sexuelle, les cas de traite des personnes, les cas de mariage d'enfants. Il y a tellement de maux dont souffrent ces enfants-là. C'est pour cela qu'on s'est décidé à leur donner la parole, à les amener eux-mêmes à parler de leurs droits. On a, à travers un concours d'éloquence, vous avez vu ce qui s'est passé, des enfants qui font des prestations, qui déclament les mots, qui traduisent les mots dont ils souffrent à travers soit de la poésie, soit avec du slam, soit avec de la prose. C'est une façon de les amener à conscientiser leurs parents, à conscientiser les autorités au niveau de la police et de la gendarmerie, mais aussi au niveau des autorités judiciaires, pour les amener à prendre en compte les maux dont ils souffrent. Et quand c'est eux qui font les plaidoyers, le message passe beaucoup plus, comme ça on ne parle pas à leur place. On a commencé par le viol sur mineur l'année dernière, c'était le thème du concours. Et cette année, on a décidé de mettre en place un thème qui parle des mutilations génitales féminines. Vous le savez, hein, malgré le combat qui est mené, la Guinée reste toujours deuxième au niveau du plan mondial par rapport à ce fléau qui gangrène la société, deuxième derrière la Somalie. Les activistes sont sur le terrain, mais quand c'est les enfants eux-mêmes qui portent la parole, on se dit que c'est encore mieux. Vous avez suivi les témoignages des enfants eux-mêmes? Écoutez, c'était très touchant, très passionnant de voir les enfants. Vous avez vu le petit garçon de 9 ans qui a remporté le prix au compte de Poya. C'est pour vous dire que les enfants eux-mêmes sont conscients de ce mal-là qui existe. Quand c'est eux qui véhiculent le message, vous avez senti l'émotion qui était dans la salle quand le petit garçon l'a emporté. Et ça dénote quoi? Ça dénote de la masculinité positive. Vous amenez un garçon qui parle des violences faites aux femmes. C'est un futur père de famille, c'est un frère qui est dans une famille qui pourrait protéger ses sœurs, qui pourrait sensibiliser, qui pourrait faire changer les mentalités. Voilà pourquoi c'est important aujourd'hui qu'un garçon l'emporte sur ce concours-là. Parce que, en fait, le combat pour les femmes ne doit pas être supporté que par les femmes. Le combat pour l'élimination des violences faites aux femmes doit aussi être supporté par les hommes. Et c'est ce combat qui est mené aujourd'hui. Les e4she, ils existent, des hommes qui portent le message pour l'abandon des violences faites aux femmes. Et c'est l'exemple qu'on vient de donner aujourd'hui. Le garçon, il l'a emporté parce qu'il l'a largement mérité. Et il faut aller dans ce sens, amener à préparer les futurs pères de famille à savoir ce qui peut attendre leurs femmes, ce qui peut attendre leurs enfants, pour qu'eux-mêmes, ils soient prêts mentalement, psychologiquement, à mener le combat et à barrer la route à ceux qui pensent que c'est un combat, c'est une pratique qu'il faut perpétuer. Alors que parmi les pratiques à perpétuer, il y a les pratiques positives, mais aussi, il faut le rappeler, il y a des pratiques néfastes telles que le MGF. D'accord. Alors, la suite du combat, vous avez vu, on a fait le tour de Conakry. À Conakry, Matam l'a emporté. Ici, à Koya, vous avez vu que le prix a été remporté par l'un des candidats issus des 5 écoles sélectionnées à Koya. La prochaine fois sera le 15 juin. Nous serons du côté de Télémélé. Et qui sait